Alright tout le monde, je suis Jossener et on se retrouve sur la suite de Avatar Frontiers of Pandora. Donc là, nous étions en route à notre prochaine quête, mais là, il y a une tempête qui s'annonce. Comme vous pouvez le voir, avant c'était ensoleillé, très coloré, et là c'est très nuageux, très venteux. Prête à faire un tour? Let's go, on y va. Alma est décédée. Dernier épisode, on a appris qu'est-ce qui s'est passé avec notre clan. On a eu comme une révélation. Oh, là, je dois retrouver. Ah, ici. C'est ça qui provoque les secousses? Ouais, ça doit être cette foreuse. Le sol doit résister. Pandora se laisse pas faire. Tu la respectes ou elle te tue. Comme le désert où j'ai grandi. Je l'ai seulement vue en photo. On s'est fait envahir, nous aussi, il y a longtemps. Ils voulaient notre pétrole. Pensaient que le désert était inhabité. Mais un vrai désert. C'est puissant, paisible, c'est beau et plein de vie. À la fois le même et en évolution. Ce que fait la RDA à cette terre, c'est un crime. C'est pour ça qu'on doit les arrêter. J'ai pas réussi à m'approcher, mais je suis sûre que... Oh ben, les humains sont encore en train d'exploiter toutes les terres. Des essois ont chassé par ici. Appelle Priya, je vais chercher des survivants. Priya? Priya, tu m'entends? Réponds-moi. Allez! Damn! Bon, ils sont tous en train de tout détruire, hein. C'est un peu ça, l'être humain. Prêt à s'auto-détruire pour s'enrichir. Une stupidité, là, remarquable. Non! Va. Va rejoindre Ewa. Oh hein, c'est morbide là. Quelqu'un m'entend? Je ne peux pas. You. Et encore un autre. Pauvre petite bête. On se créera en guerre mondiale. Ben c'est un peu ça là. Dans le monde de Pandora, c'est comme des tranchées.
notre retour au camp. Je ne peux pas y aller seule. Je vais faire payer ton chagrin à ceux qui l'ont causé. S'il te plaît. Priya, c'est une hécatombe. Tous ces morts, toutes ces vies détruites. Je vais au site de forage, là, pour que ça ne se reproduise plus. Et mince, il faut que j'aille plus haut que ça. On va y péter, mon chum. Ah merde! Pourquoi je peux pas aller en haut? J'essayais pis on dirait que... Parce que j'ai bloqué à quelque part. Je pensais que j'avais plus d'énergie. Parce que des fois, j'avance, puis là, elle marche. Là, je cours. Là, elle marche encore. Merde. Moi, j'aurais peur, là, d'être dans ces grottes-là. Ah, et voilà. Bon, d'après moi, je vais être capable de sortir par ici. Non, ici. Wow. Ça fait imposant hein, quand on arrive comme ça. La mise en scène est vraiment bien faite. Très cool. Priya, je suis sur le site. Dis-moi comment faire. Il est où lui? Il fait le tour? Merde. Ah, j'ai ramené ça qu'à... Ah non, je n'ai manqué un, je pense. Non. Je vais attendre que lui fasse le tour. Ça va être trop long. Tant pis. Quoique, c'est la meilleure des choses. Il y en a au-dessus de moi, je crois. Ah, c'est lui. S'il fait le tour, je pourrais tirer sur ces... barils explosifs-là. Puis elle éclate, c'est sûr. Allez. Yes. Allez, venez-vous-en. Si tu pourrais en avoir un autre là, qui pourrait aller ici, là, ça serait parfait. Ça m'étonnerait que ça se passe. Oh!
Vous avez vu ça, les cons? Ok, ça c'est des petits soldats. Et hop. Ok. Ça c'est fait. Merde, 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 merde. Ah, y'en a un, t'es people? On va y aller à la fois. Ah, y en a du monde. Hey! Tabarnak! Crève, esti! Où sont les autres? Y'en a un là. Ouais, pas pratique, hein? Bon. Ouais, il y a pas mal de monde. Ok, là, j'ai vraiment trouvé le... Oh, tabarnak! La misère à les viser, calice. Ah merde, ma souris à lag. Ma souris à lag, man, ça me fait chier. Je me tasse, esti, pis c'est pas... Non, elle est pas sensible pantoute. Elle a lagué tantôt aussi, quand j'étais sur l'ordi, là. Aïe, ah, y'a tout le monde dans l'infini, man, ça sert à rien. Oh, nice. Où là? Vous pouvez pas me le dire? C'est écrit nulle part. Je le vois pas dans ma map. Dans mon radar.
Une calisse DCU. Non. En haut? Ah, c'est en haut. Je me fais contourner. Oh, ah, c'est où là? Hey man. Bon, ok. Les câbles doivent mener quelque part, mais pas le temps de checker avec les câbles. Pas le temps de checker si je me fais agresser partout. Bon, c'était où? C'était en haut? Ah man, ma souris elle m'énerve sérieux là. Ça me fait chier parce que là... Ok, je dois suivre les câbles. Je pensais qu'il fallait que je charge mon Cid. Hey, qui me tire dessus, tabarnak? Vous êtes où, man? Qu'est-ce que vous me tapez ses nerfs des fois, là? Non! Ah, puis j'ai plus de batterie dans mon... Ah non, c'est fait. J'ai plus de batterie dans mon headset. Ça va bien. Je viens de commencer mon épisode. Plus de batterie dans mon headset. Ma souris à bug. Asti que c'est hot, man. Mais là, quel câble? De quoi tu parles? Quel câble? Ah, merde. Ah, tabarnak de calice! Hostie de calice! Je viens de toutes les tuer, tabarnak, pis y'en a encore plein. J'suis pogné pour charger comme un hostie de merde. Détruire les fusibles de contrôle, c'est la foreuse. C'est où, man? J'ai pas le temps de regarder, y'a trop de monde. Y'a du monde à l'infini, man. À l'infini. Tabarnak de calice. Qu'est-ce que je t'ai écœuré? Bon. C'est où? Vas-tu crever toi, man? Attends. Mais c'est où? J'ai suivi le câble, elle a dit, les câbles doivent sûrement mener à quelque part. Je le suis. Ça m'a amené à la même calice de place que j'étais. Hey, tabarnak, c'est quoi faut que je fasse? C'est quel câble que je dois suivre? J'ai ça quand ils me disent fuck all, puis ils me disent pas où aller. Surtout quand il y a full de monde, là. Ça m'énerve.
Ah, ça doit être là. C'est sûr que c'est ici, là. Là, les câbles sont tous là. Non? Ça a l'air que non. Ah, enfin! Moi, il est pas, hein? Ah, allez. Tabarnak. Asti, man. Sérieux, là. Je peux-tu faire de quoi, man? Ça me fait toucher à toi les asti de 2 minutes. Bon. Si, boire. Stopper le lancement. Ils ne pourront plus rien détruire. Pas d'ici, en tout cas. Ce n'est pas ta faute, Priya. Je sais bien, mais... Quoi qu'on fasse, ça semble si insignifiant. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire. On peut s'assurer que ça n'arrive plus. Ouais, t'as raison. C'est quoi, il n'y a plus personne, là? Yes. Tabarnache, hein? C'était intense, ça, man. Chance que j'étais bien équipé ou sinon, m'aurait fait tuer, hein? Bon, c'est où? Là-bas? Ok. Ah, oh, mais là, ça me fait chier parce que j'ai plus de batterie dans mon headset. Faudrait que je le fasse charger avant de continuer. Parce que je vais jouer puis je sais que je vais perdre. Je vais perdre mon son après. Pas dans la vidéo, mais moi, je vais le perdre. Je dois trouver un terminal de téléchargement. Tiens. Ça, ça a la tête un petit peu plus simple. Ok, on en a un ici. L'autre il va où? Ah! No way! T'as 44, moi j'étais à combien? Ah, 150. Mon truc il est mieux. Bon. Et voilà.
Je vais devoir réactiver certaines de ces machines pour accéder aux données. La foreuse est désactivée. Il ne reste que des capteurs. Ça fait bizarre. J'ai tellement l'habitude de détruire ces trucs. Retourne leurs équipements contre eux. Montre-leur ce que ça fait. Les petits casiers. Bon. C'est bien loin. Ok, attends, je dois faire ça, activer la sonde. Je l'ai pas activé. Et où la sonde? Ah, je peux pas l'activer, fait que je dois aller là avant, puis là. Yes, sir. Ça fait plaisir de te voir, Tempête. Ouah! Bon, je suis où, là, ici. Ça marche. L'autre maintenant. Bon, t'es où toi, chose? Bon, mais j'ai perdu mon écran. Oh, il a crissé le camp. Oh non, il est là. Oh, y'a du monde! Et voilà! Ah, ça j'en veux. Yes. Je crois que ça risque de prendre un moment. Prépare-toi à accueillir les renforts avant de commencer quoi que ce soit. Réserve-leur un accueil chaleureux. Attends, je vais prendre le bazooka. Parce que je pense que je vais avoir de la compagnie. Là, la souris a arrêté de bugger, là, ça va mieux. T'y vois, ok. Une astuce d'affaires, man. On dirait un donjon. Là, je le savais. Yes! Je t'assure que je le pognais pas. Je
That's it. Ok. Ils ont même pas le temps d'atterrir, ça va bien? Parce que je vais manquer de munitions par exemple. Je pense qu'il va en avoir à l'infini juste attendre que le temps soit pas terminé. Je crois. Yes. Hey, j'ai plus de balles, man. Ils ne veulent vraiment pas qu'on mette la main sur les données. Donc ça doit être important. Parfait, il nous les faut. Ouh. Là. Mais c'est sûr qu'il y a des balles. Ah, je pense qu'on a réussi, on les a toutes pétées. That's it, man. Ils ont même plus le temps d'atterrir. Ça a bien été. Ah, je pense qu'on a fini là. Et voilà. Bonne chose est faite. Bon, on va attendre 30 secondes. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait peut-être aller regarder un peu aux alentours, les loot. Mais tu sais, j'ai déjà été là. J'ai déjà loot, qu'est-ce qu'il y avait ici? Bon, il reste déjà 10 secondes. On va rester proche, comme ça on est prêt. Téléchargement terminé. Yeah! Priya, j'ai les données, mais il y en a beaucoup. Alright! C'était cool comme petite mission ça. Là c'est où? Où je dois aller? Ah! Ici! Ah! Je peux pas faire de voyage rapide. Ah! Je suis à côté. Tiens. Ah! Tiens! Ça je n'ai pas récupéré. Yes sir! Voyons. Oh, je suis embarqué sur toi ou? Je pense qu'il est buggy. Il est buggy. Ah, c'est bon. Bon, elle est là-bas. Waouh, hein? Régale-toi. Toute cette destruction avec une seule charge. Quel cauchemar. Ouais.
Bon, t'es où toi? Je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas vu quand je suis arrivé. Tu peux apporter ça à Priya? Ce sont les données de la RDA. Oui, j'ai essayé de la contacter, mais la connexion était foireuse. Ce qui s'est passé ici, ce désastre, ça me donne envie de piloter mon Samson vers l'horizon et d'aller le plus loin possible. En cas, on va les arrêter. Toi, oui. Les navis, oui. Mais les humains. Même en faisant de notre mieux, je sais pas si on peut vous être très utile. Allez. Bon vol à toi. À toi aussi. Merci. Une tempête au loin. Terminé. Bon, c'est quoi la prochaine étape? On va sûrement parler à quelqu'un, là. J'ai comme pas de mise à jour sur ma quest. Et voilà. Les explosions qui ont détruit les arches ont provoqué une activité sismique secondaire. Et ça, c'est pas bon. Il y a du pétrole brut qui traîne partout et c'est en train de bousiller pas mal d'écosystèmes. Qu'est-ce que je peux faire? Venir nous aider? Je suis partie avec une équipe vérifier l'une des fissures, mais la RDA est déjà installée ici. On les a envoyés sur une fausse piste pour que je puisse regarder leur capteur, mais va falloir faire vite. Attends, tu es dehors? Oui, et ça fait vraiment peur. Tiens bon, Priya. J'arrive. Là-bas. Est-ce qu'on peut faire un voyage rapide? Oh, tabarnak, c'est loin, mon chum. Alright. Attends, je vais faire un voyage rapide ici, puis après ça, à partir de là. Oh, je peux faire un voyage rapide ici. Ah, on est mieux là, je pense. Tiens. En même temps, j'en profite, là, je vais prendre une petite pause. Puis je vais recharger mes écouteurs. Là, ça fait 40 minutes d'épisode, mais c'est parce que je trouve qu'il n'y a rien qui s'est passé à part la foreuse. Ah, c'est beau ici. Et voilà. Nice. Bon, j'ai fait recharger mon headset. Fait que j'espère qu'il va tenir bon pour le reste de l'épisode. Donc là, on doit aller rejoindre chose là-bas. Priya. Ah, mais le jeu, il est plus... Ah, non, mais là, on est dans la forêt brumeuse, c'est vrai. Embrumé. On allait dire, le jeu, il a de l'air de moins en moins ensoleillé. Quoique plus ça va, on dirait que plus qu'il y a comme de pollution ou ça devient sombre un peu plus qu'on arrive à la fin du jeu, je crois là. Il veut te mettre ça un petit peu plus dramatique. On va essayer de prendre de l'altitude, on va aller un petit peu plus vite. On va y arriver. De se rendre d'un point A à un point B, par exemple, je vous mentirais pas que je trouve ça un petit peu long. Le fait de voler, tu sais, c'est cool voler. Mais voler juste en ligne droite comme là, tu sais, il n'y avait absolument rien à voir. À part la map, là, oui. Mais à force de le faire, ça devient un petit peu long. Surtout qu'il n'y a pas de musique en plus. Pas une grosse critique, là, c'est juste parler pour parler, là. Bon, nous y sommes. Yeah!
Et où elle? Ah, elle est pas là. Ouais. Oh, heureusement tu es là. Anka est passée et a attiré la sécurité. Mais ils peuvent revenir à tout moment. On va devoir faire vite. Il faut que je sache ce que c'est la RDA. Ça va? Tu es toute pâle. Si ça va, je suis paumée dans une base de la RDA et j'hyperventile. Comment tu fais pour faire ça tout le temps? Je suis dans mon élément ici. De quoi as-tu besoin? Si je peux accéder au système, je peux lancer des scans et fouiller des rapports de la RDA. T'es plutôt bonne en piratage, non? Avec mon site, je peux repérer des terminaux vulnérables. Parfait. Il me faut des données personnelles avec la bonne autorisation, ok? On va faire un petit peu... Pardon. Et on va faire un petit peu de piratage. Pardon. On va faire un petit peu de piratage. Mouton dans la gorge. Bon, c'est où ça? Et voilà. Où ma flèche, ok. Je la cherche tout le temps. A beau être super illuminé, je la cherche quand même au début. Priya, je viens de t'envoyer des données sur le personnel. Est-ce que ça t'aide? Bien sûr. Il faut que je trouve une personnalité à utiliser les scanners. Continue de chercher des données biométriques ou des identifiants. Ouais, on avait vu quelque chose d'autre là-bas. Ouch. Oh, cartouche électrique. Priya, j'ai trouvé les données biométriques dont tu parlais. Parfait. Il faut que je trouve quelqu'un qui a le bon accès. C'était tout? Non, il en reste un autre. Ah là, c'est beau. C'est tout coloré. Ah, il y en a un ici. Je l'ai même pas vu. Ah, lui, c'est un petit peu plus simple. On va faire changement un peu. Je crois que j'ai trouvé les identifiants d'un scientifique. Je te les envoie. Bingo! Je vais pouvoir mettre au point un profil d'accès. Qui est Bingo? Quoi? Ah, pardon, c'est une expression. Je t'expliquerai plus tard. Tu peux revenir? Ouais, je suis déjà là. Bon. La RDA a ouvert de nouveaux sites de forage. Le plan de Mercer est plutôt bien fichu dans le genre « on tue tout ce qui bouge ». Je vais lancer une analyse toxicologique et répertorier les dégâts du séisme, mais ça va prendre du temps. Ne t'inquiète pas, tes amis montent la garde. Je leur en suis reconnaissante. Je m'occupe des équipes de forage. Super, je vais voir ce que je peux tirer de cette base de données. Je suis désolée. On n'aurait jamais dû venir ici. Je parle de nous, les humains. C'est trop tard maintenant. Mais on peut arranger les choses. Je te contacte dès que j'ai quelque chose. Fais gaffe à toi. All right. Ok, c'est le site de Diplomate dans les grands pins. Diplomate, par là. C'est bien loin. Ah, je peux pas faire le voyage rapide. Let's go. Ah, la map est quand même vraiment énorme. Parce que du stock en esti, man, c'est bien rempli. Thank you.
Bon. Nous y sommes. Là, j'ai pas parlé durant tout le vol, mais vous voyez à quel point que c'est long un peu. Je m'approche de la fissure qui se trouve au nord. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, salut. Et son petit. Ils sont très dangereux. Mais je vais tenter de les protéger. Ok, sorry. Je voulais pas vous attaquer. J'ai pu arrêter l'équipe de la RDA. Grâce aux crocs et aux griffes de la forêt. Et maintenant, je vais détruire ce site. La RDA ne pourra plus l'utiliser. Yes. Il y en a un qui était en train de crever, man. Au début, je pensais que j'allais me faire agresser par eux. Mais finalement, non, c'est correct. Inventaire plein. Merde! Ah! Priya, j'ai terminé. Comment se passent les tests? Les dégâts du pétrole sont aussi sérieux que j'imaginais. J'attends encore les résultats de l'imagerie souterraine. La charge a largement dépassé la veine de pétrole. Il y a vraiment un truc bizarre. Préviens dès que tu as des nouvelles. Je vais les désactiver. Merci. Avant ça, envoie-moi les données qu'ils ont trouvées. La RDA mijote quelque chose et j'ai besoin de toutes les infos pour comprendre ce qui se passe. Ok. Ce serait le fun qu'ils me disent où aller pendant qu'elle parle. Fait comme ça, je pourrais déjà, pendant qu'elle parle, regarder où je dois aller. Puis là, pour m'aider, je vais me faire un déplacement rapide juste ici. C'est juste à côté. Ça va me sauver du temps un petit peu. Je vais faire un petit peu... mon vol va être moins long un peu. Parce que là, c'est tout le temps de se rendre un point A, un point B en vol. Ils étaient trop grandes pour c'est quand même long. Peut-être que ce n'est pas arrivé. L'émission, comme qu'on a faite, là, comme révélation à date, c'était mon épisode préféré, man. T'as tellement le fun à faire, là. Wow. Ah, là, c'est ensoleillé, tout est coloré. Wow. Là, c'est beau. Regardez-moi ça. Longtemps, il me semble qu'on n'a pas vu un beau paysage comme ça. Pourquoi t'atterris, est-ce 20 mètres plus loin? Oh, allons-y. Quelque chose t'a fait peur? Ya, ya! C'est là qu'on a appris à voler. Ah oui, c'est vrai, mon écran il peut se nourrir avec du poisson. Un autre petit poisson avant de partir? Non, ok. Bon, la RDA utilise des sondes radar pour collecter une masse de données sur les ressources. Chou là, ok.
ne se ressemble. C'est toujours comme ça. C'est une flèche, ça ? Les femmes étaient coincées. Ouch. Mes flèches servent pas à rien finalement, c'est plus aussi fort qu'avant. Allez, déplace-toi. Man, je l'ai one shot. Qui m'attaque là? Eh merde! Quand j'ai tiré, le jeu il a lagué un peu, je me demande si tout est beau. Je pense que ouais. Je vais juste vérifier juste pour être sûr. D'après moi, c'est correct. C'est gassant quand ça lague un peu parce que tu te demandes tout le temps des fois, ça a-tu scrappé mon logiciel d'enregistrement? Ça a-tu scrappé mes affaires? Voyons Chris, je vais prendre mon gun, pourquoi tu peux pas le prendre? Là je peux même pas l'utiliser quand que je fais... Je suis tout le temps bougé, ça fait... La première fois que je le remarque c'est ça. Là désolé, j'étais en train de parler fucking vite là, je suis comme blablabla. Mais ouais, parce que je fais R pour le ranger, puis quand je fais R pour le sortir ça marche pas, puis quand je clique pour tirer ça marche pas non plus. Puis d'habitude quand tu cliques pour attaquer, ça sert... Voyons coller, ça sort ton arme automatiquement, mais bon. Je viens de remarquer ça en fait. C'est juste ça. Ah, j'étais un peu tanné de faire ça pour vrai, là. C'est long, là. Une chance, ça se fait rapidement, là. Et d'une. Priya, je t'envoie les données. Il y en a beaucoup. Bien reçu. Et voilà. Oh, yeah. Pièce détachée. Ok, plus qu'une. Et juste là. Oh non. Y a-t-il des ennemis? Oh mais j'ai entendu parler. Priya, j'ai désactivé les sondes. Ah non. Merci. C'est parce que j'ai pu m'entraîner. Ok, j'ai fini de mon côté. J'ai toutes les données possibles. Les résultats d'enquête, les itinéraires, absolument tout. On dirait que toutes les opérations de forage viennent de la même base. Il y a un tas d'équipements là-bas. Envoie-moi les coordonnées. C'est fait. Je vais retourner au QG, mais je dois aller voir une dernière fissure. La RDA n'est pas encore passée et j'ai besoin d'échantillons propres. Fais attention, d'accord ? Ok.
Oh, compétence d'ancêtre juste à côté. On a un voyage rapide proche. Là, il n'y a pas vraiment de grosses missions, c'est plus du va-et-vient. Ah oui, c'est là qu'on s'avait laissé la dernière fois. Mais pas la dernière fois, mais... Non, ça n'a pas rapport. C'est le début de l'épisode que je viens de faire. Je pensais que c'était le camp, là, où est-ce que j'avais fait l'épisode où ça arrêtait, pourtant, ça arrêtait pas tout le temps de bugger. J'avais fait mon intro parce que l'épisode précédent, genre d'avant, hey, elle avait lagué. Priya. Oui, pardon. Il faut que j'avertisse le QG. Juste une seconde. Priya, est-ce que ça va? Pas trop. J'ai regardé les données des sites de forage. Mercer a décidé d'y aller à fond et on est plutôt sur une frappe de météorite que sur une simple fissure. C'est une métaphore, bien sûr, pas une vraie météorite, mais bon. Priya, calme-toi. Qu'est-ce que tu as trouvé? Rinella, je t'envoie les données. J'ai besoin que tu fasses une simulation, mais je pense que Mercer va vraiment tout polluer. Est-ce que vous pouvez revenir ici? Si tu as raison, je vais devoir rassembler les clans. J'aurai besoin de vous. Je récupère un dernier échantillon de pétrole, ils arrivent. Et je dois détruire un dernier camp de... Eh hey, merde. Je reviens dès que possible. Dépêchez-vous. Sérieux, là? Ouais, allez chier. Bon, elle a dit que c'était le dernier camp, ouais, c'est ça. Ce que je disais, ouais, je pensais qu'on était au lieu où est-ce que mon jeu avait planté une affaire comme deux fois, puis il n'y a pas de base sans ça. Ces trucs-là. Mais bon, c'est pas vraiment important. Là, les mises à jour sont faites, tout est supposé être beau. Les choses qui arrivent. Ce sera pas la dernière fois. Wow. Ça a sauté de partout. Voyons, Chris, crève! Kaboom! Ah, merde! Je pensais pas que ça allait sauter, là. Je visais l'avion, mais bon. Hey, mon salaud! Fuck! Il y en avait un autre, c'était à l'autre bout, mon chum, avec son petit crisse de gun fucking fort. Un trou de cul. Il y en a encore. Ouais, il y a pas mal de monde. Fini? Good. Non, pas fini.
Oh. J'ai bien fait de m'en aller, man. Nice. Ok, détruire les barils de carburant. Ok, on doit tout péter. Ouch. Oh, il y en a ici. Devrait en avoir un en haut là. Non? Ah, c'est en arrière. Je le vois pas d'ici. Ah ouais, où est-ce? Ah. Si, bon, il a pu le cacher plus que ça, hein? Priya, j'ai détruit le site. Où es-tu? Je récupère les derniers échantillons, puis j'appelle Anka. Non, j'aime pas ça du tout. Est-ce que c'est l'un des nôtres? Hein? Non, une patrouille de la RDA vient de passer. T'inquiète pas, c'est impossible qu'ils nous repèrent. J'ai juste besoin d'un instant. Bon, alors. Hein? Non, une patrouille de la RDA vient de passer. T'inquiète pas, c'est impossible qu'ils nous repèrent. Merde, ils reviennent. Mets-toi à couvert! Ils nous ont vu! Cours! Priya? Réponds! Priya! Elle se dirigea vers une future dans la plaine. Yaka! Pic de Tohuk. Let's go. Moi, le mot Tohuk, il me fait penser à Turok. Les terres Sarentus. Sarentu. Sarentu ou Sarentus? Je m'en souviens plus quand ça s'écrit Sarentu. Je pense que c'est le même. Les Sarentu. Ouais, c'est Sarentu. Ouais, je suis pas bon à prononcer des mots bizarres comme ça. Nice. Let's go, my warrior.
Toi, tu me fais chier. T'as vu ça, man? Hein? Et voilà. Priya, tu es là? Tu vas bien? Priya? C'est bon, la RDA est partie. Qu'est-ce que je suis contente d'entendre ta voix. Ça va, on est en train de sortir. Ah, il était ici. Ça n'est bien serré. Ça va? Sur Terre, les rochers ne flottent pas. Chaque fois que je vois ça, ça me retourne le cerveau. Je m'y ferai jamais. Pandora arrive encore à me surprendre. Il y a tant de choses à découvrir. C'est pour ça qu'il faut absolument la protéger. La bonne nouvelle, c'est que les sols vont se régénérer. Ce qui montre à quel point ton monde est incroyable. C'est pas pareil sur Terre. Comme disait mon ancien prof, l'écologie, c'est de la pathologie. C'est tellement triste. Eh oui. Pandora est si belle et pleine de vie. Ça me terrifie. Mais je suis prête à tout pour la protéger. Il va falloir que je fasse des simulations, mais je suis quasi sûre que le plan de Mercer va tout détruire. Les chefs de clan sont au QG pour trouver comment l'arrêter. J'espère vraiment qu'on va y arriver. Je vais y aller. Reviens vite au QG. On a besoin de toi. Yeah! Oh, c'est donc bien rouge d'un coup. Ah, mais c'est pas si pire, je suis 16. Mais j'ai quand même monté de niveau, quand même pas pire, moi, là. Regarde, je peux monter... comme ça, c'était quoi, ça? Noble. Basic. Noble. Je vais essayer de mettre des mods un peu, là, parce que les mods... Je pourrais monter mes armes. 250. Ça, je suis correct aussi. Ben, ça va monter un peu mon rank. Même si ça monte pas vraiment beaucoup en fait là. Finalement. Bon, on est correct là d'après moi. Oh yes! Tiens man. Oh, pis elle est nice de même! Badass, yeah! Je vais me mettre un mode légendaire pour monter mon niveau. Pas mal la seule chose que je peux faire. Ou sinon, en frais de compétence, j'ai quoi? 13 points? Nice. C'est rare que je monte mes points de compétence. Honnêtement, où est-ce que je suis rendu un peu, là? Je m'en fous un peu. Je vais peut-être monter mes points un peu n'importe comment. C'est juste pour monter mon niveau. Il y en a un qui demande 4. 2. 3. Que je puisse toutes les passer au moins. Non? Bon, tant pis.
Oh, je peux pas monter de niveau. QG de la résistance. Là, c'est celle-là ici, là. Ouais, parce que lui, il a été attaqué, il n'existe plus. Niveau 17. Moi, je suis 16. C'est quand même pas si tant pire. Non, mais... Réfléchis. Franchement. Ce serait trop cool d'avoir un avatar. On pourrait se balader sans porter de masque. Par contre, tu serais la cible prioritaire de la RDA. Ils s'entraîneraient au tir sur ton cadavre. Mais... On peut pas tout avoir. Au centre de commandement. C'est là-bas, ça. C'est ici? Ouais, je pense que ouais. Ouais, attends. Non. C'est ici. Ouais. Oh wow! Tout le monde est là. Du ciel oublie que nous ne... La prochaine excavation de Mercer va faire de grands ravages. Alors pourquoi attendre? On devrait attaquer leur base et en extirper le petit homme. La base de Mercer, elle est impénétrable. Nos Ikran frapperont d'en haut. Tu vois ces tourelles? Elle nous taillera en pièces. Tu ne crois pas que les Essois pourrait les frapper efficacement. Mon peuple a déjà combattu seul. L'union pourrait faire la force. Aranahe, Zeswa, Kametire et Sarantu. Nous ne pouvons pas attaquer la base de Mercer de front. Mais il cache une faille qui pourrait lui être fatale. Ria? Oui, Mercer a vraiment renforcé ses défenses. Vous voyez ces capteurs? C'est un système de défense à sonar. Ça peut sembler effrayant, mais écoutez ça. Ils utilisent une connexion non sécurisée. C'est une faille. C'est fou, non? Si quelqu'un s'approche par les airs et les brouilles, Alex pourra les pirater à distance. Et nous pourrons stopper la foreuse. J'en ai déjà vu. Je peux le faire. Alors nous volerons avec toi. Merci. Mais avec ces capteurs, il ne vaut mieux pas. Et si tu échoues? Soyez prêts à déguerpir. C'est rendu badass, hein? La confiance qu'on a en nous. Ça va être un long vol. Prépare ton Ikran. Elle va avoir besoin de toutes ses forces. La RDA surveillera ses capteurs, c'est sûr. Assure-toi d'avoir terminé ce que t'avais à faire, ok? Et prépare-toi à te battre. Je sais que tu le seras, mais au cas où, fais attention. Ouais, ouais, merci. Tu hésites à te servir de ton arc. C'est vrai. Souviens-toi de ce que tu as vu. Ça ne dit rien de faire trempette avec des loups vipères. Gros, t'as-tu quelque chose pour moi? Le registre de services que j'ai trouvé pourrait t'aider. La langue des humains, leur ordinateur. Tu comprends toutes ces choses, non? Bien sûr. Tu cherches des pièces d'ordinateur? Non, des informations, des noms, des lieux, comme ce que tu as déjà trouvé. J'ai entendu des rumeurs. Des soldats de la RDA qui ont survécu à la bataille des montagnes, alléluia, ceux qui ont détruit mon clan, seraient de retour sur Pandora. À d'autres endroits, à d'autres postes. Trouve-les pour moi et je me charge du reste. Je te donnerai tout ce que tu veux en échange. Ok, ouais, ça on le savait, là. Voici ce que j'ai à te proposer. Juste deux, n'a pas trouvé d'autres. Ah, oh, wow, c'est lui qui a les meilleurs arcs. Oh, j'aurais ça, là, man, là, ça irait bien. Mais le problème, c'est que j'ai juste deux trucs, là. Donc, bon. Tant pis. Je vais les économiser, là. Mais je pense que ça va prendre beaucoup trop de temps à les économiser. On va essayer de monter mon niveau. Regarde. Ah, il montera pas. Ah, il monte pas, hein. Peut-être. Ça monte pas assez.
Lui, il monte beaucoup. Lui, il monte beaucoup. Lui, pas assez. Hey, 18! Damn! Tu vois bien que c'est les arcs qui me manquent. 18, le dude. On va prendre ça. Et voilà. On va l'équiper. Fait comme ça, on va monter le niveau. Tout. C'est lui? Non. Non plus. Ah, je n'avais déjà un sublime. Merde. Je suis con, là. J'ai en train d'en pogner un autre ou est-ce que je l'avais pas? J'aurais pu monter de niveau, je pense. Jour sur tes gardes. Ah, ça c'est chiant. Qu'est-ce qui te mène aujourd'hui? Non, j'ai déjà tout acheté, lui. Oh, lui, je pourrais monter à 17. J'en ai assez. Le mode pour les gants. Je vais vérifier qu'est-ce que j'ai. Le mode pour les gants. J'en ai pas de... Ah oui, j'en ai un sublime. Il est là. Mais je baisse mon niveau. Lui, il était meilleur. Non, c'est lui que j'ai. C'est les modes. Ok, mode pour les gants, c'est ça qu'il me faut. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mode pour les gants, recevoir. Et voilà. Tiens, on est rendu au 17 à Star. Pas pire ça? Sublime. Ah. Un mode. Un mode de bas. Portant le style. As-tu un mode de bas? Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Ok, plus 45% de munitions de base récupérées à la réserve. Capacité de munitions spéciales, fusil à pompe. Fusil d'assaut. Écoute, en vrai, je le sais pas. C'est quoi que j'avais comme mode de bas? Dégâts au point faible, 13%. T'sais, c'était quand même bon, là, je trouve. Le style. Bon, on est correct là, je pense. Let's go. Non, sérieux. Bon, c'est où qu'on doit aller? Trouver le capteur de la RDA. La fissure. Ici. J'ai pas de déplacement rapide proche. Ah, c'est dommage ça. Juste tes mains sur la mousse et tu le sentiras. Bon. On va aller là. Bon, on s'est préparé un petit peu, là. Les pièces détachées, c'est facile à trouver, c'est les autres. Man, si j'aurais des arcs, là, comme... celui-là qu'il voudrait me donner, là, man, ça irait bien, là. Bon, c'est par où? Par là. C'est beau, par exemple. Paysage et tout, là. Ah, là, on a de la belle petite musique. Oh, on n'a pas beaucoup d'avatars, il y avait juste Alma qui était un avatar, c'est tout. Puis le jeu s'appelle Avatar. Bon. On est à la veille là. Oh, une belle base ici. C'est lui? Parfait.
quoi ce son-là? Alex, je les vois. J'ai atteint les capteurs. Excellent. Tu vois ce composant sur les capteurs? C'est un alliage protecteur. Si tu le perces, je pourrai avoir accès. Il faut. Ok. C'est bon, parfait. Attends, je vais intercepter le signal du CID. Reste près de l'appareil, ok? Ah, ok. Espérons que ça marche! Il le faut. Et ça va marcher, j'en suis certain. On est badass comme ça, man! C'est notre écran. Tu crois qu'on est cool, man? Le prochain, il va sûrement avoir des des avions. Est-ce que tu vois cette immonde tour radio? J'ai caché des munitions là-bas. Je pensais que ça serait plus pratique. Ah, cool, merci. Mais je pense que mon inventaire est plein. Ouais, écoute, ça vaut pas vraiment la peine que je fouille parce que là, je suis plein. Mais cool, merci. Deuxième. Formidable. On va bousiller ces capteurs de la RDA. Ok, attends. J'y suis presque. Man, la soundtrack était vraiment cool. Passe au suivant. Good. Ici. Je suis au oh, il y en a deux. Oh! Débarque. Hey, tabarnak. Y'avait-tu d'autres mondes? Tout va bien? Tu vois la partie au sommet du capteur? Il faut que tu la détruises. Ouais, je sais, mais attends. Hey, là, c'est une bonne soundtrack. Ben, ça, on n'a pas beaucoup de soundtrack de... dans le jeu. J'attends des soldats en arrière de moi. Yes. Nice. Mais ça valait pas la peine. Vous êtes tous les cons? Pas personne? J'ai peur que mon écran il me rattrape pas puis que je crève, donc
Et voilà. Ah, c'est à toi. Oh! Et voilà, je voulais juste la faire sauter pour le fun. De contrôle. Je suis sûr qu'ils savent que tu arrives. Ils ont probablement tout verrouillé. Alors te fais pas choper, compris? C'est où? Alright. Ah, c'est la base qu'on a vue, hein? Je savais qu'on devait aller. Qu'on avait à faire là-bas. Ah, la soundtrack est bonne. Alex, tu avais raison. Je suis à l'installation, mais c'est fermé. Bon, moi j'atterris ici. Hop. Ça va bien aller. Oh, je suis motivé avec la soundtrack, là, man, c'est cool. Il tire quoi, lui, là? Ah, oui, il tire mon écran. Hey, top que. Il y a du visu. Wow! Je sais pas s'il va en avoir à l'infini.
Alex, je ne peux pas passer par là. Il doit y avoir des câbles dans l'eau. Tu ne vois pas ce générateur dans l'eau. Un générateur? Et voilà. Oh! Hein? C'est cool ça. Un général... Ah! Comment j'ai accès? Sûrement par en haut, vu que ça, ça s'activait. Hop. Peut-être pas. Une colisse dévoilée, attends une petite minute là. Je vais m'occuper de cette tourelle là. Ça n'a pas rapport ça? Non. Il y a quelque chose là. Puis là aussi. Ah attends! Ben oui! J'avais oublié. Ça faut que je le pète. C'est de trouver comment... Marche pas. Whoops. Whoops. Ouch. Merde, ok. Ah. C'est bon, plus de courant. Maintenant les verrous. Avec le courant coupé, tu devrais pouvoir les faire sauter. Ils sont plus tirés. Vous dormez tous là-dedans? On peut ouvrir ou? Ça marche pas? Ok. Je voyais pas mon logo, désolé. Yes! Ah, il est descendu, lui? Un truc de cul.
Mercer. Tu penses qu'il est là? S'il y est, il est dans la salle de contrôle. Je vais y aller. Attends. Tu ne sais pas où tu mets les pieds. Je ferai attention. Arrête. Attends un peu, s'il te plaît. C'est peut-être un piège. Tu sais de quoi il est capable. Je ne peux pas te perdre. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Tu n'en as pas la moindre idée. On doit arrêter cette foreuse. Je vais passer par la ventilation. Pour le prendre par surprise. Ok? On ne peut plus reculer. Ouais. La ventilation. Bon, y a-t-il quelque chose ici? Ouais, on peut monter là. Hop. Et voilà. Ah merde. Oh. Ok, je pensais que j'avais pas accès à mon inventaire. Enfin! 18, man! Asti qu'on est badass! Wow. Eh merde, on a trouvé un, là. Ok. Ok, y avait-il d'autres choses ou... Ah! Pourquoi est-ce que tu l'aides? Pourquoi son opinion est si importante? Taylan est intelligent. Il a compris que vous n'alliez pas gagner. Qu'est-ce que tu fais? Non, arrête! Quelle déception tu as été pour moi. Ta sœur était plus combative. Dommage qu'elle n'ait pas survécu. Il a dit que personne ne mourrait! Des gens sont morts, Taylan. Je croyais qu'on était une famille. Il m'a dit... Je voulais juste qu'on arrête de se battre! Je me moque de ce que tu voulais. Et Mercer aussi. Tu ne seras jamais comme eux. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Ah, le con! Laisse faire les adieux, Taylan. Allez! Oh fuck! Yeah! Hein, c'est pas badass ça, man? Ah ouais, crève donc là. Ah. Les hackers se cachent près du regard d'Iowa. Où que je dois aller? Ah! Désolé, man. J'étais perdu. J'espère que ça te plaira, Tempête. Je suis presque. Restez planqué. On est derrière une cascade. Mais ils sont plus très loin. Fais vite, je t'en supplie. Je vais la trouver. Allez, viens.
Est-ce qu'on est badass, man? Je capote. Est-ce qu'on est badass, man? Je sais qu'on est fou. Oh, il a disparu. Ok. Non, non, ça va, ça va. Ils sont plantés. Oh, j'ai pas le temps de m'occuper de toi et moi là. Ah, ils sont en bas. Ah non, ils sont là. Allez, viens! Vous êtes où là? C'est qui sont là-bas? Ben là, on est rendu tank là. Hey, on fonce dans le top, on tue tout le monde, c'est vraiment nice. J'aime ça. Je pense qu'ils ont monté. Ah, ici. Il faut que... Juste attends. C'était moins une. On a failli y passer. Et en vain, au final. Tu as pu récupérer quelque chose, au moins ? Non, rien du tout. Et maintenant ? On est foutus ? Cette foreuse va transpercer Pandora. Il faut qu'on se prépare à partir. Peut-être pas. J'ai trouvé quelque chose dans la salle de contrôle. Un disque dur. Taylan me l'a donné. Taylan ? Il était là-bas ? Je savais qu'il était louche. Priya l'a vu s'enfuir quand Mercer a attaqué le QG. Il a osé nous trahir? Il ne voulait pas qu'il y ait de blessés. Je le sais. Il a cru Mercer. C'est pas une excuse. C'est peut-être un piège, un traqueur. Écoutez, on n'a pas le choix. Et nous aussi, on a commis des erreurs. Nous aussi, on a eu confiance en la RDA. La guerre nous rend tous stupides, pas vrai? Je vais demander à Priya de regarder. Peut-être qu'on pourra en tirer quelque chose. Waouh. Quel magnifique équipement. Merci. Ok. Et j'ai jeté un œil au disque dur. En cas dit que c'est Taylan qui te l'a donné. Il y avait quoi dessus? Ça peut aider? Ça dépend de ce que t'entends par aider. Rinella le consulte sur le lotable. Elle est... Tu devrais lui parler. Pourquoi ils m'ont laissé tout seul ici? Bon, écoutez, nous on va cesser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Donc, un grand merci à ce qu'on peut le regarder. Là, d'après moi, on va sûrement répondre au téléphone, là, quelqu'un. Frappe ultime. Suive la quête.
Ah, on est tellement badass, sérieux, là. Tu rentres dans la planque de la résistance. La prendre la... ok. Il faisait jour, là. Il est rendu qu'il fait nuit d'un coup. Fait qu'on va cesser là-dessus. Prochain épisode, on va se retrouver à la résistance. Puis on va commencer, d'après moi... Ben non, on doit sûrement arriver vers la fin du jeu, là. Je sais pas quand, mais on va checker ça. Donc, un grand merci à ce qu'on peut t'en regarder. À la prochaine. Ciao.